Édouard Pett. Je suis français, natif d'Écouviers. Je travaille ici maintenant bénévolement au Poirier du Loup depuis à peu près 9 ans. Pendant 30 ans, j'ai fait du champagne, en Champagne. Voilà, c'est pour ça que on m'a recyclé ici à Torny pour... Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on peut dire ça. Dans les deux sens, hein. Là et en âge. À partir d'un vin tranquille, on remet dans la bouteille des ferments, des levures et du sucre. Raison de 24 grammes par litre de sucre. Ce qui refait une refermentation en bouteille. D'accord. Là, les levures. Ça, c'est pas bien, Jockey. Alors, on les met à plat jusqu'à temps que la bouteille elle vienne à la verticale. Les levures sont au goulot de la bouteille et on glace la bouteille ensuite avec du glycol pour que tous les levures mortes soient enlevées. Et la pression qui est à l'intérieur de la bouteille, elle va expulser le bouchon de glace. Voilà, c'est là qu'on arrive au dégorgement. C'est une passion, oui. Vous aimez le vin. Vous aimez bien. Oui, oui, oui. On va en ouvrir une, vous allez mieux nous frigo là. Sans savoir que vous alliez venir. Zoup là. Vous venez bien dedans. C'est très bien le terrain argilo-calcaire. Plus l'ensoleillement, c'est magnifique. On est sur la troisième cuesta bajocienne. C'est le troisième niveau du Jura ici. Et c'est magnifique, hein. Et il y a toute une flore, une faune, c'est superbe. Et ça se fait à pied, bien sûr. Hein. On peut rentrer par là, voilà. Voilà, ici on est vraiment, la vigne est située donc sur une pente douce et plein sud. Le petit village là-haut, c'est la France. Là, il y a des belles grappes. On va laisser ça. Là, ce bourgeon-là, il a gelé. D'accord. Mais derrière, on a un petit bourgeon qui va repartir. Et qui donnera une grappe aussi, mais ça sera trop tard, la vendange sera terminée. Et vous estimez à combien le nombre de pertes? On a estimé à peu près à 70-75%. Voilà, c'est là aussi, là, gelé. Hein. Voilà. Là, ça ne donnera rien cette année. C'est foutu. Là, ici non plus. Vous voyez? Là. Et c'est comme ça partout pour le moment. Et c'est comme ça, y compris la France. Et donc là, cette année, par exemple, il y a déjà pas mal de soleil, donc peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de raisins, mais peut-être que ce sera du bon raisin. Ça sera une année exceptionnelle, j'en suis sûr. Alors ça, c'est la bouteille terminée, quoi. Et on va la goûter. Voilà, un blanc de blanc. La bulle est belle, hein. C'est ce qui donne la qualité au champagne, ça. C'est la bulle à l'intérieur, vous voyez. À votre santé.